Bien, comme tout le monde, j'ai lu l'article, votre article de ce matin. Ces situations-là sont inacceptables, sont préoccupantes. Mais on n'a pas attendu l'article de ce matin pour agir. On l'a fait dans le cadre du projet de loi 143. On a imposé de nouvelles obligations aux services qui sont non régis qui vont nous aider à contrer justement ce phénomène-là. Vous pensez vraiment que c'est suffisant pour contrer ce phénomène-là? Bien, absolument, parce qu'avec les obligations qu'on impose maintenant, on vérifie s'il y a des antécédents judiciaires, s'il y a un cours de RCR, s'il y a aussi une police d'assurance responsabilité civile, mais on a aussi assujetti les comportements qui constituent des pratiques abusives envers les enfants à des amendes très salées, jusqu'à 75 000 $. Et si une RSG avait été reconnue coupable d'un tel comportement, elle ne pourrait pas, après, devenir une PNR dans le service non régi. Mais sans inspection, comment est-ce qu'on peut identifier ça? Je veux dire, il n'y a rien qui empêche. Je ne sais pas, d'inspection, il y a des bonnes chances qu'on ne le sache pas quand il y a de la négligence. Bien, voyez-vous, il y en a des inspections dans les services régis. Et les comportements qui sont dans votre article sont révélés suite à des plaintes parce qu'évidemment, ces comportements-là ne sont pas commis devant des inspecteurs non plus. Alors, même dans les services régis, ce sont les plaintes qui nous permettent d'intervenir. Nous, ce qu'on dit haut et fort, c'est que ces comportements-là sont inacceptables et on a mis les balises nécessaires justement pour nous aider à prévenir ces situations. On n'arrive pas, on